Un jour ordinaire, à la maison de Tony Stark. Tony Stark regarde la télé. Il est heureux. Pepper Potts est dans le garage. Elle s'occupe des motos de son mari. Mais le soldat de l'hiver est là, et il compte bien mettre son plan machiavélique en place. Crève! Pepper! Pepper, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te fait du mal? Pepper! Oh! Pepper, tu es dans le garage! Attends-moi, j'arrive tout de suite! Oh shit! On a toujours besoin d'une armure portative. Viens par ici! Je vengerai Pepper et je déteste cette moto. Prends ça! Dans ta face! Je dois me trouver une meilleure armure et partir à New York pour me trouver des alliés. Mais Pepper est morte! Pourquoi est-ce qu'elle est morte? Je la vengerai! Maudit soldat de l'hiver! Je la vengerai comme ce n'est pas possible. Bon, pour commencer, Friday, prépare-moi la MK6. Je pense que c'est la plus appropriée pour aller à New York. Et au fait, prépare-moi aussi la MK42 pour qu'elle vienne. MK6, allez. Décollage pour New York. Je remercie Tony Stark et le Shield de m'avoir donné une maison en Afrique du Sud. Et j'aime bien cette voiture, elle est très pratique. Bon, le paysage a l'air un peu pauvre, et on dirait pas qu'on est dans un quartier de riches. Mais je vais me sentir bien ici. Au moins, je ne causerai plus de dégâts collatéraux à personne. Et je vais essayer cette moto, tiens. Je vais m'arrêter ici. Et partir en bord de mer. Qu'est-ce que c'est beau ici. Je pourrais peut-être un jour même aller visiter ces cargos. Ouais. Des tortues. C'est rare qu'on en voie. Il n'est pas encore prêt. Je vais être bien ici. Ça y est, je suis à New York. Donc Manhattan, Central Park en bas, je vois ma tour au loin. Bon, plus que quelques minutes de vol. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis tracté au sol. Qui peut bien faire ça? Mes systèmes ne sont pas défaillants, on m'a tracté au sol. Qu'ils se dénoncent. Tu ne sais pas qui je suis? Par ici, on m'appelle Wizard. Bouffe ça! Ah! L'araignée est toujours là pour vous. Spider-Man, tiens donc, comment as-tu su? Oh, tu sais, Tony, moi je suis partout et mon sens d'araignée me dit tout. Bien, bien. Bon, armure, active autodestruction. Bon, ben moi je dois aller à ma tour à pied maintenant. Eh oui, dans le combat j'ai perdu mes systèmes d'appel d'armure. Ah, et tous ces super-héros qui croient qu'on peut tous voler. Ah. Maintenant, je dois rentrer chez moi à la bonne vieille méthode. Bon, moi je dois aller en cours. On se retrouve à ta tour. Comment je vais faire pour y aller? Ah, mais on est à New York. Je n'ai qu'à appeler ma voiture. Ma voiture sans chauffeur, tiens donc. Il faut que je l'appelle. Voiture personnelle de Monsieur Stark activée. Bon, qu'est-ce qu'elle fait?
Ah là voilà. Bon, il faut que j'aille à ma tour. Eh bien, il y a de l'embouteillage aujourd'hui. Mais je me pose quand même des questions. Pourquoi est-ce que le soldat de l'huile verte aurait tué ma femme? Il n'avait rien contre lui et même il ne la connaissait pas personnellement. À mon avis, il a été engagé par une unité ou quelqu'un de bien plus puissant que lui. Je me demande qui. Ah, désolé pour la boîte aux lettres. Je me demande bien qui lui veut du mal. Mais je saurai trouver qui c'est. J'arrive toujours à mes fins. Ma tour. Mince, j'ai oublié mes clés et la porte est apparemment fermée. Bon, je déteste avoir fait ça parce que ça coûte cher, mais je dois obligatoirement appeler mon armure. MK2. Merci Friday de l'avoir appelé. Bon. Procédure de décollage activée. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Ah, le voilà enfin. Tony Stark, ça fait 1 heure que je t'attends. J'ai terminé mon cours de mathématiques et d'histoire. Oui, je sais, je sais. J'adore toujours faire des entrées fracassantes. Arrête un peu de faire le pitre. Surtout pas dans ma tour, j'ai peur que tu casses quelque chose. Ok. Bon, on va s'occuper d'appeler certaines personnes et voir s'il y en a qui veulent m'aider. On va commencer par mes alliés et voir si d'autres veulent m'aider. Bon. Mais pour commencer, déshabille-toi d'abord. Qu'est-ce que tu fais encore en tenue? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, j'ai quelques idées. On pourrait déjà commencer par appeler... Ah non, pas Hulk. Moi-même, je l'ai envoyé avec Nick Fury en Afrique du Sud. T'as des idées, toi? Ben oui, on pourrait sûrement... Ah oui, on pourrait appeler la Veuve Noire. Mais non, la Veuve Noire, elle est en mission au Wakanda avec la Panthère Noire. Ah ben, je ne savais pas, moi. Et... Ah oui, je sais. On a tout simplement qu'à appeler notre ami Œil de Faucon. Mais non. Œil de Faucon, il est en mission à sa ferme, à ce qu'il nous a dit. Bon, ben, j'ai plus trop d'idées, moi. Mais essaye avec Captain America. Mais non, Captain America, il est pas là, il est aussi en mission. Bon, ben, je vais essayer d'appeler Thor, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, encore un des jouets que mon fils a ramené de Midgar. Ah, je ne sais pas m'en servir. Bon, bah tant pis. Bon, bah moi je dois retourner en cours. Et en tant que dernière idée, t'as qu'à appeler Ant-Man. Ah oui, Ant-Man. Bonne idée. Bon, bah moi je pars en cours. À bientôt, hein. Tu essayes de m'appeler, mais ce n'est pas la peine parce que je suis là depuis le début, j'ai tout entendu. Et oui, Tony, je suis toujours là et je serai toujours là. Et oui. Ant-Man, tiens donc, aussi appelé Scott Lang pour les intimes, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment es-tu entré? Oh, tu sais, moi, j'entre par tous les conduits, c'est très facile. Maître, je viens vous informer que Wizard et le soldat de River sont morts au combat. De plus, j'aimerais aller personnellement leur régler leur compte. Maître, je vous demande de me fournir une meilleure armure. Bon, bah je me balade. Finalement, je m'ennuie vite ici. Ça fait déjà 10 jours que je suis là. Fou. Le temps passe longuement. Bon. Mais je sais pas trop quoi faire. Salut mon chou, ça te dirait de rejoindre le club des super vilains? Quoi? Non? Tu vas m'obliger à utiliser la force. Hulk fracasse tout! J'aime pas voiture jaune! Hulk tout fracassé!
Smash! Mes radars ont repéré le gros monstre vert. Je m'y dirige. Friday, appelle Veronica. Iron Man, mon ami, tu vas devoir affronter le gros monstre vert. Viens ici, Tony! Smash! J'aime pas voiture blanche! Viens ici avec ton armure pourrie! Tu vas voir comment je vais t'exploser! Tu prends voiture jaune pour me lancer dessus! Voilà ce que j'en fais! Hulk est mort! Je répète, Bruce Banner est mort. Ah, c'était un de mes amis, mais il faut s'y faire. Il est mort, et je suis désolé pour tous ceux qui l'appréciaient. Bon, je dois retourner chez moi. Vision, si tu es dans les parages, j'aurai besoin de toi. Oui, Tony ? J'ai besoin de toi si tu veux bien m'aider. Et pourquoi il faudrait que je t'aide ? Bien, tu sais, ma femme Pepper Potts a été tuée et je suis actuellement en manque d'alliés pour me venger. Est-ce que tu es toujours avec moi ? Mais bien sûr, mais j'ai une question. Laquelle ? Est-ce que Spider-Man est avec toi ? Normalement, oui. Et est-ce que Hulk est avec toi ? Hulk est mort, malheureusement. Bon, tant mieux, je ne l'aimais pas. Je viens avec toi. Pendant ce temps, sur Asgard. Mon fils, je t'ai déjà dit d'arrêter de te laisser traîner tes affaires. Mais pourquoi ? Car tant tes jouets à sonner. Oh mince ! Tu aurais pu me prévenir avant. Il faut que j'y aille maintenant. C'est bon, Vision. Je viens de régler mes affaires avec Nick Fury et nous pouvons maintenant rentrer à la tour Stark. Non, Stark. Il faudra d'abord que tu m'affrontes. Moi et mes acolytes. Dans cet état, tu trouves que je suis trop faible? Mais regarde maintenant. Attendez, le baron Strucker. Vous n'allez tout de même pas faire un combat sans moi. Dommage qu'il n'y ait pas Captain America. Je me doutais bien qu'il viendrait tout de même. Captain America, pour vous servir. Salut Vision. Je vais avoir besoin d'une armure. Silver Centurion, viens ici. Bah, qu'est-ce qu'il fait ? Friday, appelle-moi Silver Centurion. Ah, le voilà. Toujours à la pointe de la technologie, Stark. Vous n'alliez tout de même pas oublier une araignée ? Eh oui, c'est moi, Spider-Man. Oh, je savais que tu viendrais. Prends-toi. Je slalome entre tes balles. Comment est-ce possible ? Balle ne va rien face à mes toiles. Hulk. Demande de renfort, Yaya. Go, go, go! Cet hélico de civil a ce magnifique. Voilà qui est mieux. Qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Ah! Oh, quel dommage! Notre cher Captain America est mort. Hydra ne vaincra pas. Tout à fait raison, Stark. Tu es bien naïf pour croire que ces toiles vont me blesser. Tu regretteras d'avoir tué notre cher Steve Rogers. Vraiment ? Prenez ça et ça ! Et une flèche. Plus de faucon. Tu t'étais caché jusqu'à présent. Maintenant, montre-toi. Tu ne peux pas lutter contre moi. Lui peut-être, mais moi, je suis là pour toi.
Huntsman, quel heureux plaisir de te voir parmi nous. Bravo, continue à l'occuper. Je vais m'occuper de griller Loki avec mon petit rayon laser. Laisse-le! Elle a disjoncté mes systèmes d'armement. Je rentre à ma tête pour changer d'armure. Soldat, venez à moi. Allez le chercher. Oui, maître. Confirmation de la cible, Iron Man. Message à toute l'équipe, j'ai été touché. Je nage vers la rive. J'appelle MK44. Elle est où? Je ne la vois pas. Ah! Ah bah tu étais là en fait. Tu essaies de me tuer, alors meurs! Prends ça! Ça! Tiens, reprends ça! Ton père! Tu es nul! Prends ça! Ah. Regarde-moi! Boum! Ah! Je dois m'enfuir! Merde! Non! 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 Ne m'encerclez pas! Non! 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 Ne le tuez pas! Je m'en charge. Excusez-moi, vous autres. J'ai été quelque peu dérangé par mon père qui ne m'avait pas dit ce qu'il se passait ici. Mais heureusement, je suis là pour régler la situation. Qu'as-tu fait, mon frère, encore? Tu énerves tout le peuple d'Asgard. Maintenant, je te ramène. Bon, bah voilà, c'est fini. C'était cool, hein? Ouais, ouais, c'était super cool. Mais tu sais, maintenant, moi, j'ai une vie un peu active et... Comment te dire Bah il faut que je retourne en cours, voilà, et bah voilà, allez, bon bah merci. Youhou, y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Bah y'a personne. On m'avait dit qu'il fallait venir ici. Je viens de rentrer de mission du Wakanda. Bah alors, vous êtes où les gars? Vision, Tony, youhou. Bon, bonjour vous. Vous allez bien? Bon bah je m'en vais, hein. Puisqu'il n'y a personne ici. J'adore cette moto. On m'avait dit de venir ici. Je me demande où est Tony. Ah, le voilà. Tony! Pourquoi est-ce que mon meilleur ami, Captain America, est mort? Oh, tu sais, il y a eu un gros combat et il est mort pour la patrie. Comment ça, il est mort? Je veux plus d'explications. Mais tu sais, j'ai pas vraiment d'explications à donner. Fais attention à ce que tu dis. Hey, qui l'a tué? Eh bien, c'est Loki, pour tout te dire. Loki? Je me vengerai de lui. J'ai besoin d'aller manger un shawarma. Ah, je connais une bonne adresse ici. Un bon petit shawarma qui m'attend. Ouh, un camion de pompiers. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, rien. Ah, apparemment, ils font aussi des pizzas, si j'en crois l'enseigne. Bonjour, monsieur.
Bonjour, mon petit. Vous êtes le patron? Oui. Ce shawarma était délicieux. Maintenant, je dois m'en aller. Tu n'aurais pas dû te mêler de ça, Tony. Friday! Monsieur Tony, où êtes-vous, monsieur Stark? Normalement, vous devriez être dans les parages. Faites un signe pour que je puisse vous repérer. Monsieur Stark. Monsieur. Vous avez mangé un shawarma. Bon. Qui êtes-vous? Pas besoin de savoir qui je suis, mais sache que tu ne sortiras jamais d'ici. Tu ne pourras pas appeler tes armures à cause de nos systèmes. Ouais. Surveillez-le bien. Finalement, je réussis à rattraper la situation et tout se passe que presque comme prévu. Moi, Bon, il faut que je retourne prévenir Friday et toute l'Iron Légion. Il faut faire vite. Ça y est, j'y suis. Je calcule mon itinéraire jusqu'à la porte. C'est bon. Qui es-tu, source de vie? Non. J'ai reçu comme protocole de ne pas attaquer. Je dois donc fuir. Protocole de fuite activé. Impossible to do it. Make your dreams come true. Yes, you can.